tout ce que j'ai, je le donne à toi. Oui. Ma soeur, mon frère, nous sommes là pour le Seigneur, afin qu'il règne dans nos vies, qu'il prenne place. C'est le temps de s'abandonner corps, âme, esprit. Nos pensées tournées vers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Lui qui est notre force, lui qui est notre soutien. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, éternel Dieu des armées. Je m'abandonne à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Prends ma vie. Je m'abandonne à toi. Et tout je le donne à toi. M'abandonne à toi et tout je le donne à toi. Ensemble, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie et tout je. Changer ta situation.
m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Oui, sans rien garder. Je me livre totalement à toi. Mon corps, mon âme, mon esprit. Pour t'adorer, El Shaddai. Prends ma vie, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Prends mon corps, mon âme, mon esprit. Ma famille pour toi, Jésus. Sans rien garder, Seigneur. Sans rien garder, Jésus. Mon être tout entier, Seigneur. Ouvrons la bouche, répondons nos cœurs devant lui. Qu'est-ce qui dérange ta vie cet après-midi, ma soeur? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Jésus est là, Jésus est là. Abandonnons-nous dans sa présence. Laissons-le tout, déchargeons-nous devant son trône. Il est là, notre Seigneur. Je m'abandonne totalement à toi. Prends ma vie, Seigneur. Je veux te célébrer, te louer, t'exalter toute ma vie. Ma famille pour toi, mes enfants pour toi, mon être tout entier pour toi, Seigneur, mon mari pour toi. Seigneur, prends-moi tel que je suis, pour te lever, pour te glorifier, pour exalter ton Saint-Nom, Jésus. Que tout ce que je suis, élève le nom de mon Père. Que tout ce que je suis, glorifie le nom de Jésus. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit honoré, que Jésus soit glorifié, encore présent parmi nous. Que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Nous disons qu'il est présent, qu'il est Yahvé. Yahvé qui fraya un chemin dans la mer rouge. Yahvé qui ressuscita Lazare de la mort. Oui, nous voulons encore chanter Yahvé. Yahvé, toi notre Dieu, toi le Dieu que nous adorons, toi le Dieu que nous chantons, le Dieu que nous sommes venus écouter encore ce soir. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Alléluia. Sois béni. Nous savons que notre Dieu va nous faire entendre du bien ce soir. Terre et dans les cieux. Ce n'est pas un hasard que tu sois dans sa présence maintenant. Il nous dit ce soir, ces femmes qui changent l'histoire. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Allons nous lever là où nous sommes. Nous sommes debout dans la présence de notre Dieu. Au nom de Jésus. Te laissons la première place. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire.
Pendant que la musique va continuer à jouer, nous allons prier maintenant. Nous allons dire au Seigneur, nous voulons être des femmes qui vont changer l'histoire de nos vies, de nos familles. Nous allons dire au Seigneur, viens nous revêtir de ta puissance afin que nous soyons capables. Saint-Esprit de Dieu, viens nous équiper. Viens nous aider, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous soyons ces femmes qui changeront l'histoire de nos vies, de nos familles, de nos enfants. Nous prions au nom de Jésus. Contre nos destinées, tout ce que le diable a placé devant nos vies pour nous détruire, pour nous troubler, pour nous donner, nous livrer à l'échec, nous allons les détruire. Car la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Qu'est-ce qui est en train de nuire ta vie? Qu'est-ce qui est en train de combattre ta vie? Si c'est la maladie, si c'est les problèmes dans le couple, si c'est la stérilité, si c'est je ne sais quel problème de finances, de l'éducation des enfants, tu vas aller les détruire. Tu vas chasser ces esprits. Tu vas marcher sur ces problèmes. Au nom de Jésus, nous prions. Les œuvres de ténèbres, tu as paralysé les œuvres du diable. Je viens refuser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, dans mes enfants, dans ma famille. Tout ce que l'ennemi a placé contre moi et ma famille, je le refuse, je le paralyse au nom de Jésus. Je viens tous les œuvres de ténèbres, je paralyse les œuvres de ténèbres, je paralyse les œuvres du diable. Tout ce que l'ennemi a placé contre moi et ma famille, je le refuse, je le paralyse au nom de Jésus. Jésus-Christ nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Là-bas, il agit, tout est accompli. Nous allons confesser la victoire de Jésus pour nos vies. Nous allons confesser la victoire de Jésus dans nos foyers, dans nos projets. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens relâcher la victoire de Dieu dans ma vie. Je viens confesser la victoire de Dieu dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans mes projets. Seigneur mon Dieu, je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Je détruis mon nom, je le ténèbre, je le détruis. Je le paralyse, je le détruis. Je le paralyse au nom de Jésus. Je refuse de sa venue. Je refuse de sa venue. Je refuse de sa venue. Je proclame la victoire de Dieu. Je viens les paralyser au nom de Jésus. Je viens faire cela au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a placé pour nous détruire, nous empêcher de voir la main de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons très très fort pour le Seigneur. Alléluia! Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen! Je sais que nous marchons avec les promesses de Dieu. Je sais que Dieu nous accompagne en ces lieux. Dieu aime là où la femme se trouve. Amen! La femme est sensible aux choses de Dieu. La femme transmet facilement. La femme va chercher toujours avec compassion pour ramener dans la présence de Dieu. Nous disons toujours que nous sommes une armée de messagères. Amen. Ce soir encore, nous savons que Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Nous savons que Dieu va nous toucher. Nous allons nous saluer les uns les autres. Tu vas dire bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
correct pour la musique, on va y aller comme ça. Merci beaucoup. Alléluia! Je suis encore dans la joie ce soir, nous pouvons prendre nos places. Je suis encore dans la joie de pouvoir me tenir devant vous. Malgré les vents, malgré les marées, malgré les problèmes, les accidents, mais Dieu nous garde. Alléluia! Dieu nous donne la force de proclamer encore l'évangile. Amen! Nous avons une destinée avec Dieu et Dieu sait qu'il veut nous utiliser pour bénir des femmes, pour bénir des hommes. Alléluia! Pour propager la bonne nouvelle. Amen! Ce soir, nous avons notre thème, ces femmes qui changent l'histoire. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Ces femmes qui changent l'histoire. Amen! Je sais qu'il y a une femme qui va changer l'histoire de sa vie. Amen! Je sais qu'il y a une femme ici qui va changer l'histoire de son couple. Je sais qu'il y a une femme ici qui va changer l'histoire de ses enfants. Alléluia! Je sais que de grandes choses vont se passer. Nous marchons avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Amen. Les promesses de Dieu vont combattre l'œuvre de l'ennemi contre ta vie. Amen. Je sais que tu es une femme de promesses. Je sais que la promesse est en toi. Tu as quelque chose dans ta vie. Dis à ta voisine, j'ai quelque chose dans ma vie. J'ai la promesse de Dieu. La promesse de Dieu va me propulser. La promesse de Dieu va marcher avec moi. La promesse de Dieu va m'ouvrir les portes. La promesse de Dieu va me bénir. Car il a dit dans ta parole, dans sa parole, il n'y aura pas de femme qui avorte. Il n'y aura point de stérile dans mon pays. Qui a dit que tu es stérile? Tu as la promesse de Dieu. Et cette promesse va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia! Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia! Quelle est cette maladie qui peut te résister? La promesse de Dieu est en toi. La promesse de Dieu va chasser la maladie. Alléluia! Alléluia! Il a fait de toi l'épouse. Qui a dit que tu ne te marieras pas? Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les promesses de Dieu t'accompagnent. Dieu est avec toi. Nous allons parler de ce sujet ce soir. Ces femmes qui changent l'histoire. C'est quel verset que nous avons donné? Nous avons donné le livre d'Esther. Nous avons le livre d'Esther. Esther 4, le verset 16. Je vais commencer par ce verset. Nous allons donner ce verset. Parce que c'est là que se trouve la clé de notre message. Amen. Et nous allons retourner pour voir un peu l'histoire. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ce livre? Alléluia. La Bible nous dit dans Esther 4, le verset 16, « Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Acclamons très bien pour la parole de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. Nous sommes entre nous les femmes. Ne soyez pas timides. Amen. Alléluia. Nous voyons l'histoire d'Esther, une fille qui vivait à Babylone. Cette fille venait de la Judée. Amen. Ils avaient été déportés pour être emmenés à Babylone avec sa famille et avec son peuple. Esther venait de... Esther était du peuple de Dieu. Amen. Esther était un enfant de Dieu. Dès sa naissance, dès ses parents, dès ses origines, Esther priait le véritable Dieu. Esther marchait avec le véritable Dieu. Amen. Mais nous voyons qu'elle a été déportée avec sa famille.
Ils ont été emmenés à Babylone. Amen. Pendant qu'il y avait des guerres, il y avait des problèmes, comme nous savons dans le monde. Et Babylone avait remporté une victoire. Et c'est comme ça qu'on avait pris le peuple de Dieu en Judée pour les emmener chez les Perses à Babylone. Amen. Esther, c'était une fille esclave. La Bible nous dit qu'elle n'avait pas de père, qu'elle n'avait pas de mère. Elle était orpheline. Elle était sous la garde de son oncle Mardoché. Amen. Cette fille Esther, la Bible nous montrera plus tard qu'elle était belle de figure, qu'elle était belle de taille. C'était une belle fille. Mais seulement Esther était esclave. Dans la ville de Babylone, une grande ville, une ville puissante, avec un grand peuple, le peuple de Dieu se mélangeait à l'intérieur. Ceux-là qui étaient en captivité, ils étaient là à Babylone. Ils étaient là comme des esclaves. Mais nous voyons que Esther, en sortant de son pays, en allant à Babylone, ça n'avait pas été facile pour elle. Alléluia. Esther a marché comme une esclave. Pendant la déportation, ce n'était pas facile. On ne les emportait pas du pays d'où ils venaient jusqu'en Babylone en voiture, ni sur des chevaux. Alléluia. Ils marchaient à pied. Ils étaient enchaînés. Amen. Esther étant jeune, elle avait subi des difficultés. Elle avait subi des problèmes. Alléluia. Elle marchait dans l'esclavagisme avec son oncle, avec son peuple. On les emmenait quelque part. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, Esther, pendant qu'elle marchait, pendant qu'elle s'avançait, elle ne savait pas qu'elle avait les promesses de Dieu. Elle ne savait pas quelle était sa destinée. Elle ne savait pas où on les emmenait. Elle ne connaissait pas ce peuple. Elle allait découvrir quelque chose de nouveau. Mais Esther s'en allait avec sa destinée, avec les promesses de Dieu en elle. Alléluia. Il y a une femme ce soir qui traverse des difficultés, qui traverse des problèmes, qui traverse des complications. Je ne sais qu'est-ce qui est en train de te déranger. Mais nous voyons que cette fille, cette jeune fille, marchait avec des chaînes. Alléluia. On peut te voir avec des chaînes ce soir. On peut te voir avec des problèmes dans ta vie. Mais tu vas quelque part où Dieu réserve une grande destinée pour toi. Une grande destinée pour toi. Une grande bénédiction pour toi. Alléluia. Elle était jeune. Elle est allée avec son oncle. Alléluia. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Qu'est-ce qui s'est passé? La reine Vashti a désobéi. Et le roi en colère, il a dit qu'on devait changer de reine. Esther, parmi ces jeunes filles, avait été choisie. Alléluia. Elle avait été choisie pour participer comme à un concours ou à des élections de laquelle, de cette fille qui devait devenir la femme du roi. Alléluia. Esther, l'orpheline, était toujours dirigée par son oncle. Nous voyons que la Bible nous dit, nous allons lire, pendant que on préparait le choix, la Bible nous dit dans Esther 2, le verset 5, « Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, roi de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. » Alléluia. Qui connaissait Dieu. C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Nous regardons dans toute cette histoire. Mardoché a gardé sa foi. Et Mardoché transmettait cette foi à Esther. Pendant que le problème est arrivé dans ce pays, on devait choisir des filles. Mais Mardoché était toujours là, en train de donner des conseils, en train de prodiguer, en train d'expliquer des choses à Esther. Tu vois, nous, dans notre peuple, nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous, dans notre peuple, les femmes, c'est Marie Vierge. Nous, dans notre peuple, et Mardoché était là en train de transmettre des valeurs bibliques, si nous pouvons dire, les valeurs de Dieu, si nous pouvons dire, les valeurs de leur origine. Alléluia. Et nous voyons que cette fille, Esther, écoutait. Amen.
Parce qu'elle, elle a changé l'histoire de sa vie. Cette fille, écoutez, il y a quelque chose de très important que nous devons savoir, que nous devons garder des mentors à côté de nous. Cette fille, Esther, était toujours attentive à ce que lui disait son oncle. Son oncle lui prodiguait des conseils et elle les mettait en pratique. Aujourd'hui, nous voyons dans la société, dans l'église, tout le monde qui arrive, tout le monde sait quelque chose. Alléluia. Tu veux donner un conseil, tout le monde sait toujours quelque chose. C'est devenu comme il y a cet esprit d'orgueil qui est entré dans la vie des gens, même dans l'église, même dans nos familles. Les gens n'écoutent plus. Oh, nous avons besoin des directives. Nous avons besoin d'être équipés pour ce que nous serons demain. Alléluia. Pour les jeunes qui vont à l'école, vous avez besoin d'être équipés par ces gens qui vous donnent la matière, qui fera de vous quelqu'un demain. Alléluia. Si tu es destiné à être ministre, il y a des gens qui vont t'apprendre comment parler devant les gens, comment se tenir devant les gens. Alléluia. Qui vont t'apprendre les droits. Alléluia. Qui vont t'apprendre beaucoup de choses. Parce que Dieu t'attend quelque part. Donc tu dois passer par l'entraînement. Tu dois passer par la motivation. Tu dois passer par des directives. Il y a des gens qui doivent te donner un bagage. Alléluia. C'est quelque chose de très, très important. Nous voyons que Esther était au pied de son oncle Mardoché. Esther écoutait les conseils. Vous allez voir tout au long de cette histoire, cette fille Esther écoutait les conseils de son oncle. Elle mettait en pratique, alléluia, la culture de son Dieu, la culture de son peuple. Alléluia, c'est très important. Demain tu veux te marier, demain tu veux être une mère, mais tu dois avoir un coaching. Tu dois avoir quelqu'un qui va t'apprendre. Alléluia. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que nous sommes équipés. C'est dans la maison de Dieu que nous sommes équipés. Alléluia. C'est ici que nous apprenons. C'est ici que nous avons nos modèles. Alléluia. C'est ici que nous avons les directives pour la vie. Nous voyons que cette fille a reçu les bagages. Demain, tu seras peut-être femme de pasteur. Est-ce que tu es prête? Demain, tu seras peut-être ministre. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as le bagage? Est-ce que tu te laisses enseigner? Est-ce que tu te laisses montrer? Est-ce que tu te laisses diriger? Alléluia. Demain, tu seras une femme au foyer, une femme mariée. Comment est-ce que tu vas te comporter? Est-ce que tu as reçu le bagage? Comment tu vas marcher? Demain, tu seras mère. Comment tu pourras prendre soin de tes enfants? J'ai parlé avec une femme, une jeune fille, elle m'a dit, écoutez, elle n'est pas de notre communauté. Elle m'a dit, moi normalement, je suis mariée et j'ai mon enfant, mais j'ai retourné mon enfant au pays. Parce que depuis que j'ai eu le bébé, je ne savais pas comment prendre soin de l'enfant. Alléluia. Elle n'a pas sa mère ici, elle n'a pas sa famille ici. Amen. Juste elle et son mari. Elle m'a dit, je ne pouvais pas. Moi, j'ai dit, mais tu as un cœur. Tu as envoyé ton enfant qui est né ici. À quel âge? Un bébé. Alléluia. Elle a retourné l'enfant chez sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas les bagages. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? Elle a dit, je n'arrivais pas à prendre soin de l'enfant. Je n'arrivais pas à m'en sortir. L'enfant tombait tout le temps malade. Je pleurais, je portais l'enfant. Je ne savais pas quoi faire d'un enfant. Alléluia. Nous avons besoin d'apprendre. Nous ne connaissons toujours pas tout. Alléluia. Soyons de cette génération des femmes, des filles qui écoutent les conseils de Dieu, qui écoutent la voix de Dieu, qui écoutent la voix de leurs encadreurs, qui écoutent la voix de leurs pasteurs. C'est très, très important. On voit que Esther était en train de recevoir un bagage pour le lendemain. Alléluia. Elle était toujours au pied de son oncle. Elle écoutait toujours ce que son oncle lui disait. Elle marchait toujours selon les conseils de son oncle. Des conseils qui étaient bibliques sûrement, si on va le dire comme ça pour nous, ce terme pour notre époque, c'était des conseils de Dieu, alléluia, d'une belle tradition, une tradition qui connaît le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, une coutume qui élève Dieu, qui met Dieu à la première place, alléluia. Cette fille écoutait, elle écoutait les conseils de son oncle. Je veux insister
que nous devons apprendre à écouter. Laissons-nous diriger par le Seigneur. Apprenons à écouter les conseils des aînés. Des aînés surtout qui sont dans le Seigneur. Tu ne connais pas trop, tu ne connais pas plus que ta mère. Amen. Qu'elle soit païenne, qu'elle soit chrétienne, tu ne connais pas la vie plus que cette personne. Souvent les pasteurs les disent, des fois les enfants à la maison, ils ont l'impression de nous dribbler. Ils ont l'impression qu'en cachant quelque chose derrière le dos, effectivement maman ne voit pas, papa ne voit pas. Alléluia. Mais nous sommes tous passés par là. Nous savons. Et dès que tu vois son attitude, tu comprends qu'il vient de faire quelque chose. C'est juste l'expérience. C'est la nature, c'est comme ça. Mais qui est cette femme qui ne peut pas se laisser apprendre? Qui est cette femme qui ne peut pas écouter les conseils? Qui est cette femme, cette fille qui ne peut pas se laisser diriger? Encadrer, c'est très important. Aujourd'hui, même dans l'église, les femmes n'écoutent plus. Les filles n'écoutent plus. On donne des conseils sur le mariage. On donne des conseils sur les fiançailles. Les gens n'écoutent pas. Mais on va te dire, écoute, ce garçon que tu nous emmènes, regarde, il n'a pas ça par rapport à la parole de Dieu. Il n'a pas ça. Alléluia. Mais comme on connaît trop, on regarde trop les films. On veut prendre les exemples. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La personne va s'engager dans l'histoire, dans le mariage. Et quelques mois seulement après la bénédiction, les problèmes commencent. Et la personne ne saura pas comment revenir vous dire que, écoutez, vous aviez raison. Faisons très attention. Écoutons les conseils. Notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le livre de Chroniques 20:20 nous dit, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. N'oublions pas ce conseil de Dieu, ce conseil pratique de Dieu. Qu'est-ce que tu as à perdre d'écouter un bon conseil qui ne te tuera pas, qui ne te veut pas du mal? J'insiste, parce qu'aujourd'hui, en faisant l'œuvre de Dieu, nous voyons beaucoup de choses. Nous pouvons éclairer des gens. Des fois, ce n'est même pas une prophétie. Des fois, c'est juste l'expérience. En voyant la personne que tu nous emmènes, on comprend que oui, la personne va faire semblant, et puis la personne va changer, et puis la personne va faire ceci. Mais quand on parle, les gens ne comprennent pas. Nous les vivons. Après, c'est des problèmes. Après, c'est des prières. Après, c'est des jeûnes. Après, c'est que le pasteur n'est pas puissant. Alléluia. Après, c'est que je n'étais pas à la bonne place. Mais c'était de ta faute parce que tu n'as pas écouté les conseils. Cette fille était au pied de Mardoché. Elle écoutait les conseils. À chaque moment de la vie, tu as besoin d'un conseil. Tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'expliquer, qui va t'orienter. Alléluia. C'est très important. Nous devons avoir le bagage pour le lendemain. Cette fille Esther avait le bagage qu'il fallait. Nous allons voir que, en progressant dans cette histoire, Esther avait été choisie. Son oncle lui dit, ne parle pas de tes origines. Alléluia. Elle s'appelait Hadassa, mais là-bas, elle s'appelait Esther. Amen. Un nom qui avait une destinée. Un nom qui avait une promesse. Esther devait briller. Esther veut dire la lumière, veut dire l'étoile. L'étoile brille dans l'obscurité. Esther, le lendemain, Esther, après quelques temps, devait briller dans son peuple, là où il y avait l'obscurité, là où il y avait la mort, là où il y avait les ténèbres. C'est elle qui devrait briller. Elle avait caché son identité, comme l'avait dit son oncle. Mais nous voyons que quand Esther a été choisie, elle a été emmenée dans le palais où on avait mis toutes les femmes. Esther a rencontré une autre personne qui était Hegai, l'eunuque du roi. C'est lui qui surveillait les femmes, qui surveillait les filles. Alléluia. Cette fille a été emmenée encore auprès d'une autre personne. Et comme la course, c'était d'arriver au trône. Amen. Esther était attentive à ce que Hegai disait. Hegai connaissait son maître. S'il avait été placé pour surveiller les femmes, pour s'occuper des femmes, c'est parce que son maître savait qu'il connaissait les qualités dont lui il avait besoin. Hegai savait ce que son roi voulait. Alléluia.
Il le savait très bien. Ce n'est pas pour rien qu'il était là. Mais les autres jeunes femmes en ces lieux n'ont pas compris ce qu'Esther avait compris. Amen. Esther avait compris que c'est celui-ci qui va me propulser dans la vie. Nous devons apprendre à garder les relations. Nous devons apprendre à garder les bonnes personnes à côté de nous. Parce que tu ne sais pas par qui tu vas monter. Alléluia. Pendant que toutes ces jeunes filles se trouvaient belles, alléluia, étaient sûres de leur beauté, Esther s'est dit non, ce type-là, c'est lui qui connaît le roi. Si on l'a mis ici, c'est parce qu'il connaît. Quand il nous dit de prendre telle crème de maître, c'est ce que moi je vais faire. Esther faisait tout ce que l'eunuque disait. La Bible nous dit que Esther plut à Hegai. Alléluia. Elle avait une belle relation avec cette personne. Hegai voyait en elle celle qui devait être la reine demain. Je ne sais pas comment les jeunes femmes se comportaient, comment les autres jeunes femmes se comportaient, mais Esther avait compris le secret. Elle a dit tout ce qu'il dira, mot à mot. Mon oncle m'a toujours dit, il faut avoir du respect pour les grandes personnes. Ici, il y a une grande personne. Ici, il y a une personne qui est élevée en dignité. Et moi, je vais écouter ce qu'il va dire. Hegai, Esther a plu à Hegai. C'est sûr par son comportement. C'est sûr par son approche. Hegai a pu faire la différence entre Esther et les autres filles. Alléluia. Elle a été choisie. Elle a été beaucoup aimée par Hegai. Elle a écouté les conseils de cet homme. Et nous voyons que Esther, dans la course, était arrivée. Alléluia. Esther était arrivée. Mais nous allons voir comment Esther à cheminer dans ce parcours. J'aimerais vraiment que tu prennes des points. J'ai parlé de l'obéissance, d'écouter les conseils. Très important. Ne crois pas que tu sais trop, tu sais plus. Alléluia. Moi, j'ai bientôt 19 ans dans la vie chrétienne. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Jusqu'à aujourd'hui, je pose des questions. Alléluia. Nous ne connaissons toujours pas tout. Amen. Nous ne connaissons toujours pas tout. De deux, elle était obéissante à Hegai. Quand tu vois que cette personne a la matière, a la chose dont j'ai besoin, tu dois t'accrocher. Alléluia. Surtout dans les choses de Dieu, tu dois t'accrocher. Nous voyons dans le parcours d'Esther comment cette femme a commencé à changer, à cheminer. Alléluia. Cet homme a fait que Esther soit choisie. Par ses conseils, Esther avait écouté. Les autres jeunes femmes étaient dans l'embrouille. Les autres jeunes femmes ont pris des bijoux, ont pris beaucoup de choses dans la reine, dans l'endroit où on les mettait pour se préparer. Mais Esther n'a pas regardé aux choses matérielles. Elle avait son objectif. C'était quoi? Le trône. Nous devons nous fixer des objectifs. C'est quoi ton objectif? Où vas-tu? Tu es là pour le trône. Tu es là pour quelque chose qui va se passer demain. Tu es là pour arriver là où Dieu t'avait destiné. N'oublie pas ton objectif. Tu viens à l'église, tu viens pour quoi? Pour le royaume des cieux. N'oublie pas ton objectif. Nous ne venons pas à l'église pour le mariage. Nous venons pas seulement pour la guérison. Mais nous venons parce que Jésus a payé le prix. Parce que Jésus a versé son sang. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Parce que Jésus a payé le grand prix. N'oublie pas pourquoi tu es dans la maison de Dieu. N'oublie pas où est-ce que tu vas avec le Seigneur. Alléluia. Esther est arrivée au trône. Je passe un peu plusieurs lectures parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Esther arrivait au trône. Esther vivait dans la maison du roi. Amen. Mais quelque chose s'est passé encore. Esther était dans une difficulté quand elle est arrivée dans ce grand pays, dans ce grand royaume. C'était un royaume puissant. Esther est arrivée comme esclave, confondue dans le peuple. Elle a caché son identité. Mais Dieu a permis qu'elle puisse arriver au trône. Mais arrivée au trône, un problème arrive. Aman qui commence à compliquer
la situation. Aman qui voulait que Mardoché puisse se prosterner devant lui. Mardoché ne pouvait que se prosterner devant le grand roi. Mardoché n'avait pas abandonné sa foi. Même s'ils étaient dans un peuple étranger, il n'avait pas désisté à sa foi. Il n'avait pas renié son Dieu. Il ne pouvait pas fléchir devant un homme. Et nous savons que le problème que ça a créé, Aman, avec les conseils de certaines personnes et de sa femme, est allé monter le roi pour qu'on puisse écrire une lettre comme quoi qu'on devait tuer le peuple de Dieu. Alléluia. Mais quand Aman est allé, il ne savait pas qu'il combattait la promesse. Il ne savait pas que la fille de ce peuple était déjà au trône. Il avait fait vraiment une erreur grave. Il voulait combattre là où on ne pouvait pas combattre. Tu as Jésus-Christ en toi. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aman ne savait pas que celui qu'il voulait toucher était la prunelle de l'œil de Dieu, était le peuple de Dieu, et qu'on ne touchait pas à ses oins. Alléluia! Alléluia! Personne ne peut te toucher facilement. N'oublie pas que tu as Dieu. N'oublie pas que Dieu est de ton côté. Aman s'est levé. On devait écrire. On a écrit une nouvelle loi. On a dit qu'on devait tuer tous les peuples d'Israël. Le peuple de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas voulu se prosterner devant Aman et devant le roi? Parce qu'il avait fait que qu'on commence à se prosterner devant le roi. Et Mardoché ne l'a pas fait. Il a dit alors, celui qui va refuser, on devra le tuer ainsi que son peuple. Parce que Babylone regroupait beaucoup de peuples. Alléluia. Et qu'on devait tuer son peuple. Esther était sur le trône. Elle était celle qu'on avait choisie. Elle était tranquille au trône. Mais c'était elle que Dieu avait choisie pour changer l'histoire de ce peuple. Il y avait des difficultés qui arrivaient. Un message de la mort, comme on dit, un esprit de mort qui guettait ce peuple. Mardoché a envoyé le message à Esther pour dire, Esther, on va tuer le peuple. Tu devras parler au roi. Esther dit, je ne sais pas comment aller. Parce que celui qui entre dans la cour du roi, sans que le roi l'appelle, sera tué. Alléluia. Mardoché lui dira, Esther, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis à cette place. Si tu n'agis pas, la délivrance viendra d'ailleurs. Les enfants de Dieu, nous devons savoir que d'une manière ou d'une autre, notre Dieu interviendra toujours dans notre vie. Mardoché le savait. Mardoché savait que leur Dieu était puissant, que leur Dieu avait marché avec Israël, que leur Dieu avait fait des exploits avec Israël, que leur Dieu avait ouvert la mer Rouge. Alléluia. Il connaissait les exploits de leur Dieu. Il a dit, mais si tu es sur le trône, c'est parce que tu dois changer l'histoire de notre peuple. Alléluia. C'est parce que tu dois changer l'histoire si tu es chrétienne. C'est parce que tu dois changer l'histoire de ta vie. C'est parce que tu dois changer l'histoire de ta famille. Alléluia! Quelque chose devait se passer. Mardoché envoie le message. Esther dit, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas entrer dans la présence du roi s'il ne m'appelle pas. Mardoché qui lui fait dire, toi-même Esther, on te coupera la tête. Tôt ou tard, ils sauront que tu n'es pas de leur peuple. Alléluia! Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a placé là. Tu as la parole de Dieu. Tu as la vie de prière. Tu connais le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces choses? Mardoché a dit, tu es sur le trône. C'est pour un but. C'est pour une mission. C'est parce que tu dois changer. C'est parce que tu dois changer l'histoire de notre peuple. Elle dira, je ne peux pas. Mardoché va lui faire envoyer les messages pour bien l'expliquer que c'était question de vie ou de mort. Il a donné les détails
de ce qui allait se passer. Esther recule. Elle se dit, ici je risque de laisser ma vie. Je dois prendre une décision. Alléluia. On voit cette jeune fille qui était orientée par son oncle. À chaque instant, son oncle lui prodiguait des conseils, lui donnait des directives. On voit que maintenant Esther change de position. Alléluia. Tu es la reine, ma sœur. C'est toi qui sièges avec Jésus sur le trône. Tu peux changer les choses. Esther s'est rendue compte. Mais ben dis donc, je suis la reine. C'est moi la reine. Je crois que je peux faire quelque chose. Je connais le cœur de ce roi. Notre Dieu tient le cœur des rois entre ses mains. Et il les incline là où il veut. Alléluia. En ta faveur, Dieu va disposer tes ennemis. Esther s'est dit, j'ai les promesses de Dieu. J'ai marché comme une esclave. Je suis entrée dans ce pays, dans ce royaume, comme une esclave. Dieu m'a amené juste au trône. C'est pour une mission. C'est pour que je fasse quelque chose. Quelque chose doit arriver. On voit la transformation d'Esther. Alléluia. Il y a certains problèmes qui vont arriver dans ta vie, qui vont prendre que tu puisses ressortir certaines qualités qui sont cachées en toi. Nous voyons que Esther s'est levée. Amen. Nous allons écrire un point. Esther s'est levée. Elle a pris en main sa destinée. Ma sœur, tu dois prendre en main ta destinée. Tu dois t'occuper de ta vie. Tu dois faire que les choses changent. Quelles sont les choses qui te compliquent? Tu n'as pas encore eu des enfants. Prends en main ta destinée. Prends en main ta destinée comme cette femme à la perte de sang. Elle venait pour toucher Jésus. Mais les disciples étaient là. Ils étaient là, ils ont empêché aux gens de toucher le maître. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher. Alléluia. Elle a pris sa destinée en main. Elle a dit, moi je veux que quelque chose change dans ma vie. Je veux que mon histoire change. Je suis humiliée pendant des années. Je pleure pendant des années. Je pleure pour mes enfants. Je pleure pour mes parents. Je pleure pour ma santé. Je pleure pour avoir des enfants. Je pleure pour me marier. Je prends même ma destinée. Je veux seulement toucher. Je veux seulement toucher. Qu'une femme ce soir puisse toucher Jésus. Touche Jésus ce soir. Si seulement tu peux toucher. Esther a pris la décision. Elle a pris sa destinée en main. Non seulement sa destinée, et la destinée de son peuple. Alléluia. C'est un point très important. Si nous voulons changer les choses, si nous voulons changer l'histoire, nous devons prendre notre destinée en main. La Bible nous dit qu'il a déjà tracé des chemins devant nous. Il y a des chemins tout tracés devant nous. C'est à toi de faire attention. C'est à toi de prendre en charge ta vie. C'est à toi de prendre en charge ta destinée pour arriver à changer l'histoire de ta vie. Alléluia. À changer l'histoire de ta vie. De deux, elle se décide de réagir. Alléluia. Elle s'est décidée de réagir. Nous allons lire dans Esther 4, 15, 16, 17. Nous lisons au nom de Jésus. Esther envoya dire à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. C'est maintenant à Mardochée qui va exécuter ce que la reine est en train de dire. Amen. Si tu prends conscience de ta vie, si tu prends ta vie en charge, tu prends ta destinée entre tes mains, c'est toi qui vas donner les commandements maintenant. Parce que tu as la parole de Dieu. Tu as les outils. Esther était préparée à ce moment.
Elle savait que dans son peuple, on jeûnait, on priait. Elle savait que dans son peuple, on invoquait Dieu. Elle savait que ce Dieu-là, c'était un Dieu de surnaturel. C'était un Dieu qui faisait des choses incroyables, impossibles. Elle s'est dit, je ne peux pas entrer dans la cour du roi. Mais je crois qu'avec la faveur de Dieu, je crois qu'avec la main de Dieu, je crois qu'avec les anges de Dieu, j'entrerai dans la présence du roi. Et je changerai. Alléluia. Je changerai quelque chose. Elle a dit, dis au peuple, jeûnez pour moi. Est-ce que tu as des alliés? Nous voyons trois. Esther s'est trouvée des alliés. Qui sont tes alliés? Quand tu as des problèmes, c'est où que tu vas pleurer? C'est qui que tu appelles? Alléluia. Je connais une jeune fille qui est tombée enceinte pendant que j'étais à Kinshasa. Je dirigeais les femmes. Et cette jeune fille venait à l'église. Elle est tombée enceinte parce qu'elle avait, elle écoutait sûrement pas la parole. Elle était jeune, la puberté et toutes ces choses. Elle est tombée enceinte. Elle va dans son quartier. Au lieu de venir se confier chez nous, ses encadreurs, parce que dans l'église, nous voulons encadrer, aider les gens avec amour, ne pas juger les gens. Alléluia. Cette fille s'est retirée pour aller dans son quartier, parler à une femme du quartier. Et cette femme lui a dit d'avorter. Lorsqu'elle a avorté, ça ne s'est pas bien passé. Elle est rentrée chez elle avec des douleurs. Le lendemain, des douleurs, la fièvre, des douleurs. Les parents ont vu que la fille n'allait pas bien. Elle était très jeune, très jeune, très jeune. Je pense qu'elle avait peut-être 16 ans. Cette femme lui a donné le conseil d'avorter. Elle a avorté. Ça ne s'est pas bien passé. On l'emmène à l'hôpital, on dit que tous ses organes qui pouvaient faire qu'elle puisse concevoir commençaient déjà à pourrir et qu'on devait tout enlever. Alléluia! À cet âge, cette fille a perdu la vie. Elle ne pouvait plus donner la vie, à moins que Dieu puisse intervenir, mais elle ne peut plus. On a tout enlevé à cet âge-là. Pourquoi? C'est qui qu'elle a appelé? C'était qui son allié? Qui as-tu comme allié? Qui prends-tu pour conseiller? Alléluia! Vous avez vos pasteurs. Vous avez la femme du pasteur. Vous avez les encadreurs qui sont désignés pour aider, pour donner des conseils, pour éviter toutes ces choses. Mais qui elle avait pris comme allié? Où est-ce qu'elle est allée chercher? Dans les ténèbres. Alléluia! Restons dans la lumière. Restons dans l'église. Alléluia! Tu dois savoir à qui tu te confies. En qui tu te confies. Quand ça ne va pas, c'est qui que tu appelles. Ce sont les amis qui vont raccrocher, mettre les gens en ligne pour te critiquer, pour se moquer de toi, pour faire semblant de te consoler. Qui tu appelles quand tu as des problèmes? Qui tu fais intervenir? Est-ce que tu pèses les personnes qui peuvent t'aider? Alléluia! Pourquoi tu t'enfuis de l'église? Même si tu pêches, même si tu tombes dans l'impudicité, même si tu voles, tu fais quelque chose de grave, notre Dieu nous pardonne. Alléluia! Qui est un homme pour te juger? Jésus-Christ a payé le prix. Il t'a racheté un grand prix. Il te pardonne, il est prêt à te pardonner. C'est qui tu vas te confier? Esther avait trouvé des alliés. Les gens de son peuple. Ces gens que tu appelles, est-ce que ce sont les gens de ton peuple? Est-ce que ce sont des chrétiens? Et quel genre de chrétiens du temps de la fin? Les chrétiens que nous avons aujourd'hui? C'est qui que tu appelles comme allié? C'est qui que tu appelles au secours? C'est qui que tu appelles pour t'aider? Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie en charge. Tu as une destinée meilleure avec Christ. Tu as une vie à faire. Alléluia. Tu as de la joie à venir. Ça fait mal de voir qu'aujourd'hui dans l'église, les gens se perdent en pleine église. Nous venons à l'église pour servir Dieu. Nous venons à l'église pour arriver au royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus.
Les gens viennent à l'église maintenant, ils se perdent dans l'église. Ils viennent pour des futilités. Alléluia. Ils viennent pour des critiques. Les femmes viennent à l'église pour vérifier la femme du pasteur. Qu'est-ce qu'elle avait mis comme chaussure? Qu'est-ce qu'elle avait changé comme coiffure? Nous ne sommes pas là à l'église pour ça. Nous sommes là pour le royaume. Esther a appelé des alliés. Qui as-tu comme allié? Alléluia. Nous devons prendre nos vies en charge. Nous avons une vie à faire avec Christ. Il a dit, il nous accorde la vie et la vie en abondance. Nous ne devons pas laisser le diable toucher facilement à nos vies. Qui est-ce que tu... Nous sommes là, nous sommes mandatés pour servir Dieu. Quand tu regardes la personne à qui tu vas parler, pèse. Est-ce que cette personne critique aussi les autres personnes chez toi? Comment tu es aveuglé pour aller te confier chez cette personne? Parce qu'il fera la même chose pour toi. Est-ce que c'est une personne qui parle tout le temps? Est-ce que c'est une personne qu'on a mandatée dans l'église pour que tu ailles confier ton problème? Alléluia. Est-ce que cette femme, cette maman chez qui tu vas te confier, est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'elle a réussi dans son mariage? Si même elle a échoué dans son mariage et qu'elle est en Christ, est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est vraiment dans le Seigneur? Est-ce qu'elle peut t'apprendre des choses pour te dire, fais attention? Quand tu pèses ces gens chez qui tu vas te confier, est-ce que tu penses qu'ils peuvent t'apporter quelque chose? Alléluia. C'est très important. Tu as une vie à faire. Ne joue pas avec ta vie. Les jeunes filles, j'avais demandé que les jeunes filles soient là. Ne jouez pas avec vos vies. Est-ce que vous êtes là, les jeunes filles? Ne jouez pas avec vos vies. Vous avez des grâces en vous. Vous avez des dons en vous. Alléluia. Quand je regarde ma vie, je dis que notre Dieu est merveilleux. Je me suis confié dans des personnes qui étaient dignes. J'étais toujours accroché à des personnes qui aimaient Dieu, qui m'apprenaient à ne pas critiquer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ma maman pasteur. Maman Varlej Lubamba. Elle m'a appris beaucoup de choses. Elle me disait, demain, toi tu as la grâce de Dieu. Tu vas servir Dieu. Écoute, une servante de Dieu se comporte comme ça. Une servante de Dieu ne parle pas des problèmes des gens. Ne cite pas les noms des gens. Et en la regardant faire, je n'avais jamais trouvé dans des problèmes, dans des banalités dans l'église. Alléluia. Jamais. C'était mon allié. Et elle est toujours mon allié. Alléluia. Cherchez-vous des gens qui vont comprendre ce que vous avez en vous. Mardoché le savait. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël savait que nous avons une reine. Dieu nous a déjà positionnés dans cette ville. Dieu nous a déjà positionnés à Babylone. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il nous a déjà donné une position. Il nous a déjà donné la gloire. Nous allons la supporter. Alléluia. Pour vivre en abondance. Le Seigneur me met à cœur. Choisissez-vous des gens qui vont vous aider. Qui vont vous aimer de tout votre cœur. De tout leur cœur. Qui vont comprendre qui vous êtes. Qui vont découvrir les talents qui sont en vous. Ne vous éloignez pas. Parce que vous avez péché. Parce que vous avez failli. Nul n'est parfait. Alléluia. Nul n'est parfait. Nous sommes tous en train de courir vers la perfection. Nous marchons vers le royaume des cieux. C'est là-bas la perfection. En attendant, nous courons tous pour avoir la couronne. Alléluia. Elle s'est cherchée des alliés. C'était son peuple qui connaissait le même Dieu. Ils ont prié devant des difficultés. Ressors ce que Dieu a mis en toi. On avait vu cette jeune fille qui se faisait diriger, qui s'est fait équiper, qui est arrivée au trône. Là maintenant, elle commence à réagir comme la reine. Quand tu te maries,
Est-ce que tu commences à réagir comme une femme qui appartient à un homme? Alléluia. On voit qu'elle commençait à changer. Elle commençait à ressortir les choses qui étaient en elle, les grâces qui étaient en elle. Mais est-ce que nous, dans l'église, nous changeons? Quand nous venons dans l'église, est-ce que nous changeons? Cette femme a ressorti des choses. Elle a changé sa façon de faire. Elle a pris maintenant la commande. Il n'y a que maintenant dans l'église que nous voyons des gens arriver à l'église mais n'est pas changé. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Nous devons changer. Lorsque tu es déjà dans la position royale, tu dois te comporter comme une reine. Alléluia. Lorsque tu te maries, tu dois te comporter comme une femme mariée. C'est-à-dire, tu dois te respecter. Alléluia. Si tu veux te marier, tu dois te respecter dans ta façon de t'habiller. Alléluia. Tu es une femme mariée, tu dois savoir que je dois arrêter avec la vie des copines. Je ne peux pas faire passer mon mariage, mes copines avant mon mariage. Alléluia. Tu dois te comporter comme une femme mariée. Là, Esther commençait à se comporter comme la reine. Avant, c'était toujours cette jeune fille à qui Mardoché donnait des consignes. Alléluia. Mardoché donnait des consignes. Maintenant, c'était elle, la reine, qui réagissait. Tu es maman aujourd'hui. Comment tu te comportes? Qu'est-ce que les enfants voient de ta vie? Qu'est-ce que tu donnes comme exemple? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé positivement? La parole de Dieu doit te transformer, doit te façonner. Tu étais une femme difficile. Tu dois être douce. Tu commences à avoir des enfants. Tu dois avoir un cœur à supporter. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'arranger les micros? Tu dois avoir un cœur à supporter. Moi, je vous dis, avant moi, je pouvais voir un accident, on écrase quelqu'un. Je suis à l'aise de regarder. C'est sûr que je suis frustrée, mais j'ai le cœur à regarder. Un enfant pouvait se blesser dans la famille et qu'on devait mettre des points de suture. C'est moi qui prenais l'enfant. J'avais pas peur du sang, j'avais pas peur de toutes ces choses. Mais quand j'ai eu mon premier fils, j'ai eu l'impression que mon cœur avait changé. Alléluia. Je commençais à pleurer facilement. Je n'arrivais plus à regarder les films d'horreur. Moi, c'était ma préférence, les films d'horreur. Je pouvais rester seul, tout le monde, je regardais. Le pasteur Thierry ne comprenait jamais rien. Mais toi, ton cœur là, ton cœur est comment? Alléluia. Mais quand j'ai commencé à avoir les enfants, mon cœur a commencé à changer. À un moment de la vie, tu dois changer, ma sœur. Tu ne peux pas toujours rester la fille difficile. Alléluia. Comment tu vas vivre dans le mariage? Difficile. Le mari va te laisser. Le mari va te laisser. Ce n'est pas la prophétie, c'est l'expérience. Il va te laisser. On n'a pas besoin de fermer les yeux pour dire ça. Il va fuir, surtout de nos jours. Alléluia. Surtout de nos jours, les hommes laissent facilement les femmes. Les femmes laissent facilement les hommes. Alléluia. Facilement. Il est temps qu'on change. On t'a connu difficile. Tu dois changer. Tu deviens maman, tu dois changer. Tu dois être un bel exemple pour tes enfants. Tu dois arrêter de critiquer. Les enfants vont entendre et vont reproduire. Tu dois arrêter de mentir. Tu apprends aux enfants comment mentir. Si la dame l'appelle, dis-lui que je ne suis pas là. Mais l'enfant voit que tu es là. Comment tu dis que tu n'es pas là? Ça entre. C'est une semence dans la vie de l'enfant. L'enfant va les reproduire. Il est temps que nous puissions changer. Tu es au trône. Comporte-toi comme la reine. Comporte-toi comme celle qui a pris sa destinée entre ses mains. Cherche les personnes qui vont te soutenir. Nous voyons que Esther a fait intervenir Dieu. Dieu est entré dans la scène. Il y a des choses compliquées devant toi. Il y a des murs devant toi. Tu ne sais pas comment traverser. Mais je vais te rappeler le Dieu d'Israël. Il a ouvert la mer Rouge et les enfants d'Israël sont passés. Il leur a dit, ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais.
Dans pas longtemps, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Dieu te fera entrer parce que lui-même est entré dans la scène. Ils ont invoqué le Dieu d'Israël. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui dit, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. C'est Dieu qui avait dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. De tes propres yeux, tu verras la rétribution des méchants. Ils ont invoqué le Dieu d'Israël. Ils ont invoqué le véritable, le créateur des cieux et de la terre, est descendu pour intervenir dans la vie de son peuple. Il va venir. Il viendra dans ta vie. Invoque-le. Tu le verras face à face. Nous avons marché avec Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, en 19 ans avec le Seigneur, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai toujours été avec mon Dieu. Il m'a fait traverser des situations difficiles. Compliqué. Je suis passé par l'humiliation. Alléluia. L'humiliation. Vous avez déjà entendu parler de l'humiliation. L'opprobre. La honte que tout le monde peut voir. Je suis passé par là. Mais ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, le créateur des cieux et de la terre, celui qui brise les portes des reins, il va briser cette porte. Il va briser ce mur parce qu'il entre en scène. Esther l'a invoqué avec son peuple. Ils l'ont invoqué, viens, descends ici, manifeste-toi, viens glorifier ton Saint-Nom, viens nous délivrer Seigneur. Ils ont fait des déclarations comme nous faisons ici. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont porté des sacs. Ils ont invoqué le véritable Dieu et il est descendu. Comment il est descendu? C'est à travers toi. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? C'est à travers toi que Dieu va agir. La Bible nous dit que dans le livre d'Exode, que Dieu avait entendu les cris de son peuple. Et il est descendu lui-même. Oh. Est-ce que vous avez vu Dieu? Qui avait vu Dieu de ses yeux? On ne peut pas supporter sa gloire. Mais la Bible nous dit qu'il est descendu lui-même à travers Moïse. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi pour ta famille. C'est par toi qu'il va délivrer. C'est par toi qu'il va toucher. Alléluia. Je pensais que tu comprenais ça. C'est toi, ne te sous-estime pas. Alléluia. C'est toi qui l'as choisi. Tu vas étonner les gens. C'est toi qui l'as choisi. Il est descendu lui-même. Il est descendu. Est-ce que Dieu est descendu dans ta maison? Est-ce que Dieu est descendu dans ta vie? Il va t'utiliser toi. Il a utilisé Esther. Il est descendu. Ils l'ont invoqué. Ils l'ont appelé par le jeûne et la prière. Alléluia. Il est venu. La Bible nous montre. Esther s'est préparée. Elle-même, Esther jeûnait. Tu ne peux pas venir à l'église demander à la sœur Esther de prier pour ton problème. Mais toi-même, tu ne pries pas pour ton problème. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Tu dois crier à Dieu. Moi, je suis ton allié. Mais toi-même, c'est toi qui connais ta vie. Je dis toujours aux gens, quand tu seras milliardaire, quand tu seras la femme de je ne sais qui, quand tu seras élevé, quand tu vas commencer à compter ton argent, quand tu vas commencer à ouvrir tes comptes, voir, n'est-ce pas que moi aussi je viendrai te demander? Parce que ça ne m'appartient pas. C'est ta vie. C'est ta richesse. Tu en feras ce que tu voudras. C'est ton bonheur.
c'est ton épanouissement. Alléluia. C'est ta vie. Prends conscience de ta vie. Elle-même a prié. Esther elle-même a prié. Alléluia. Et elle a fait la démarche. Une démarche extraordinaire. Extraordinaire. Esther se prépare. Elle se fait belle. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes des femmes. Il y a des stratégies. Pour celles qui sont mariées, on en parlera une autre fois. Amen. Ça, c'est un autre sujet. Ici, on reste un peu là. Alléluia. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle était belle. Elle avait l'onction de Dieu sur elle. Elle avait la puissance de Dieu. La faveur de Dieu était sur elle. Elle s'est avancée. On voit qu'Esther avait utilisé plusieurs stratégies. On en parlera dans une autre réunion. Nous n'avons plus le temps. Là, ça sera vraiment la réunion des femmes. Là. Les femmes, les histoires là des femmes. Elle était terrible, Esther. Alléluia. Elle s'est apprêtée. Elle s'est apprêtée pour rencontrer le roi. Elle a dit, juré, si on doit me couper la tête, on va me couper la tête. Qui va risquer pour toi? Jésus-Christ a déjà payé le prix. Tu es plus que vainqueur. On ne te coupera pas la tête. On ne te coupera pas la tête. Que Dieu te bénisse. On ne te coupera pas la tête. Il a déjà vaincu pour toi. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est l'arme du diable, la crainte, la peur, le doute. Est-ce que c'est moi qui vais utiliser? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais changer l'histoire de mon peuple? Est-ce que je vais changer l'histoire de ma maison? Est-ce que je vais changer l'histoire de mes enfants? Est-ce qu'on va m'abattre avant la victoire? Est-ce que je vais gagner ce combat, ce problème dans mon couple, ce problème dans mes enfants? Est-ce que je vais gagner ou c'est l'ennemi qui va gagner? Dieu était déjà là. Dieu était avec Esther. Elle est entrée dans la cour du roi. Le roi l'a vue et a dit, oh, normalement, il fallait qu'on la coupe la tête. Mais le roi a regardé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait. La gloire de Dieu. La Bible dit, quand Moïse montait à la montagne, son visage était rayonnant. La gloire de Dieu était sur Esther. La prière va te transformer. Tu vas entrer dans des portes où les gens ne sont pas entrés. L'homme qui te verra toi. Alléluia! Il choisira pas une autre, c'est toi qu'il va choisir. Pourquoi la gloire de Dieu resplendit en toi? Garde la présence de Dieu. C'est ça qui va te bénir, qui va te donner la victoire. Elle s'est avancée. Le roi l'a vue et les choses... comment on appelle ça? Leurs papiers qu'ils avaient signés là, que les décrets, que personne ne peut entrer, ni personne, ni la femme. Où vous avez déjà vu la femme qui n'entre pas? C'est quel royaume? Mais Esther, c'était la reine, choisie, envoyée par Dieu. Elle est entrée. Le roi l'a tendu le sceptre d'or. Il tendait le sceptre d'or seulement quand lui-même appelait la personne. Mais elle est entrée d'elle-même. C'est aujourd'hui ou pas aujourd'hui. Alléluia. Je veux que tu te décides aujourd'hui. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vas les raconter. Elle est entrée. On a tendu le sceptre. Regardez l'histoire d'Esther. À deux reprises, le roi l'a tendu le sceptre. Sans permission. À cause de la gloire de Dieu, à cause de la présence de Dieu. Garde cette présence, garde la parole de Dieu, garde la sanctification dans ton accoutrement, dans ta façon de faire les choses, d'obéir à Dieu. Alléluia! Garde la présence de Dieu. Elle est entrée deux fois. On lui a tendu le sceptre d'or. Esther était calme. Dans tout ce qu'elle faisait. Elle n'a fait aucun faux pas. Ce sont des choses que j'ai notées, que j'ai remarquées de cette femme. Elle avait une maîtrise totale
Et nous voyons que toutes ces qualités qu'elle avait développées pour changer l'histoire de sa famille ne venaient pas seulement d'elle. Elle était belle de figure, belle de taille, les autres femmes du roi aussi. Mais si tu entres dans la présence du roi sans qu'il t'appelle, on te coupe la tête. Alléluia. Et là, on voit qu'il y avait la gloire de Dieu sur elle. Il y avait la main de Dieu, la faveur de Dieu qui l'accompagnait. La gloire de Dieu, l'onction de Dieu a fait ressortir des capacités. Il y aura un moment, les difficultés qui vont arriver, tu auras seulement besoin de Dieu, de l'onction de Dieu pour te maîtriser. Devant les situations, des problèmes, là où tu devais parler, mais tu regardes, l'onction de Dieu te ferme la bouche. Il te dit, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra la délivrance. Toutes les choses, les petites choses que tu manquais, Esther est entrée dans le calme. Elle a utilisé des stratégies. Alléluia. Elle a touché le cœur du roi. J'ai beaucoup à dire, alléluia. Le Seigneur a beaucoup à nous dire. Mais nous voyons que cette femme a été utilisée par Dieu. Elle avait sa part à faire et Dieu avait sa part à faire. Esther a pris la décision. Elle a pris sa destinée en main. Elle s'est cherchée des alliés. Elle est allée. Elle a prié. Elle a jeûné. Et Dieu est venu faire sa part de Dieu. Là où tu es limité, Dieu va commencer. Là où tu es limité, c'est là que l'Éternel va commencer. Alléluia. Dieu lui a fait entrer dans la gloire. Elle a fait attendre le roi pendant 24 heures. S'il vous plaît. Le roi Assyrus. Alléluia. Le roi a commencé à lui proposer des choses sans qu'elle parle. Elle a dit, j'ai besoin de te parler. Il y a quelque chose qui tourmente mon cœur. Le roi lui dit, dis-moi, si c'est la moitié du royaume, je te donne. Alléluia. Des choses qui dépassent ton entendement. Ça va te dépasser. Il a proposé à Esther deux fois, si c'est la moitié, sans savoir qu'est-ce qu'elle allait demander. Esther a dit, non, c'est pas encore le moment de frapper. Alléluia. Je dois vraiment être sûr qu'il est entre mes mains. Alléluia. Qu'il est là. Deux fois, on l'a tendu le sceptre d'or. Ça ne pouvait pas se faire. Deux fois, il a demandé, qu'est-ce que tu veux? La moitié du royaume, je veux te donner. Et elle a fait attendre le roi avant de parler. Et le roi a donné un rouleau vierge pour que Esther fasse écrire ce qu'elle veut par rapport à son peuple. Alléluia. C'est là que l'histoire du peuple a changé. Tu es capable de changer ton histoire. Tu es capable. C'est avec toi que Dieu va changer. C'est avec toi que Dieu va travailler. C'est avec toi. Alléluia. Elle devait faire écrire. On lui a donné le sceau. Donc elle écrit et ça reste. Naaman ne savait pas. Aman ne savait pas à qui il combattait. La race des élus. La prunelle de l'œil de Dieu. Il en a eu pour son compte à la fin. On l'a donné. Tu vas écrire les dites. Qu'est-ce que tu veux? Et prends le sceau. Frappe. La vie du peuple de Dieu avait changé. Je dis à une femme ce soir, tu es capable de changer l'histoire de ta vie. Tu es capable de transformer ta vie. Les situations de ta vie peuvent changer. C'est toi que Dieu va utiliser. Ce n'est pas une autre personne. C'est toi. Tu as passé des moments difficiles. Esther marchait avec des chaînes, mais ne savait pas que c'était elle. Tu as marché dans des problèmes, des complications, mais Dieu te dit ce soir, c'est toi.
qui changera ta vie. C'est toi qui changeras la situation. Invoque le, il te répondra. Il viendra à ton secours. Il touchera ta vie. Et ton histoire va changer. Au nom de Jésus. Ton histoire va changer. Quelque chose de nouveau va arriver. Les choses passées vont rester en arrière. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la consolation de Dieu. Garde ces choses que Dieu t'a données ce soir. Dieu veut que nous puissions écouter des conseils pratiques qu'il nous donne à travers sa parole, dans sa maison, à travers les vrais serviteurs qui s'est choisi. Écoute les conseils. Tu arriveras à la gloire. Et quand tu seras équipé, tu pourras prendre des décisions pour ta vie. Apprends à grandir dans le Seigneur. Aime le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Tu as des grâces. Tu as la promesse de Dieu. Évolue avec ton Dieu que rien ne puisse t'arrêter. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Esther a fait écrire l'édite et elle a changé l'histoire de son peuple. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois qu'une femme va changer la situation de sa vie ce soir. Je crois fermement que quelque chose va se passer dans ta vie. Il va t'écouter maintenant. Et que quelque chose va se passer. Que tu as choisi, Seigneur. C'est pas une autre, c'est moi que tu veux utiliser. Réveille-moi de ta gloire, de ta puissance. Élève ta voix comme une reine qui a été équipée par la parole de Dieu. Une vraie femme vaillante. Une femme puissante qui va changer sa destinée, qui va changer son mariage, qui va changer les situations difficiles, des problèmes de maladie. Qui reste